Comme c'est votre premier roman, on va faire une interview. Première fois, on bouge pas pendant le jingle. Vous avez bougé. Vous allez être puni. Est-ce qu'on peut m'apporter le martinet qu'on a acheté à Pigalle? La punition, c'est une interview première fois, mon ami. D'accord, la punition, c'est une interview première fois. Vous allez répondre franchement, hein. Je vais essayer. Premier désir. Littéraire. J'ai dit franchement. Bah oui, mais ça peut très bien être par les livres. Hein. Oui, c'est vrai. Premier baiser. Premier baiser, c'est une chanson un peu guimauve, ouais, dont je me souviens plus de l'air, mais je connais la chanson, en revanche. Vous vous souvenez plus de votre premier baiser? Si, je m'en souviens. C'était pas au pensionnat avec une copine? Non. Jennifer. Jennifer, on ne ment pas à Thierry. Avec une bonne sœur. Avec une bonne sœur. Non, non, non. Lui qui connaît bien. Il a été élevé chez les curés, alors il sait comment ça se passe. Hein. Et l'abbé Morel, il nous a raconté l'abbé Morel. Je m'en vois, c'est la vérité. Non, c'était très tard, en fait. Très tard. Vous vous souvenez de la première fois? Oui, bien sûr. Et alors? Très bien. Il s'appelait pas Ulf? Non, elle est partie, oui. Hein. Non, ça va, il ne faut pas qu'il se colle. Le pauvre Ulf est dans la tête. Mais à mon avis, des Ulf, il y en a plusieurs. Ah, oui, oui. Ouais. Il y a une bande, il y a un nid de Ulf. Là. Premier amour. Tourguenieff. Eh oui, Maline. Première passion. La littérature. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que le livre m'a, non, mais c'est vrai, m'a sauvé de beaucoup de choses, ouais, et m'a aidé à me construire. Première nuit à deux. Vous en souvenez? Avec vous, après l'émission. Non, et... D'accord. Non, 4, c'est Emma. C'est partout, moi. Est-ce que vous vous souvenez de votre première nuit à deux? Ah bon? 1 plus 1, c'est ça? Non, non. ben non. Le martinet, Jennifer, attention. Première larme pour un garçon. J'ai pas pleuré. Ah bon? Non. C'est ça, les Asiatiques. Hein? Première rupture? À 22 ans. C'était dur? C'est toujours dur. Vous en êtes remise, là, ça va. Votre première vraie transgression sexuelle? À 3 ans. Première Oedipe, c'est ça? Ouais. Première fois à plusieurs? Je ne dis rien. Je ne veux pas que ça se sache. C'est peut-être là en ce moment. Hein. Ouais. Mais c'est bien. Je me livre beaucoup, je me déshabille. Ouais. Première fois avec une fille? Jamais, je suis désolée. Non. Je le crois. Vous êtes menteuse. Mais un écrivain est, par essence, ment. Ouais. Ah, c'est quelque chose. Hein. On m'avait dit, hein. On m'avait dit, ces filles-là, elles sont difficiles. Bien, vous restez avec nous? Oui.